Cette équipe du Ghana, dans laquelle on a reconnu beaucoup de joueurs internationaux, et puis le gardien qui évolue au FC Saint-Gall, Lawrence Atizigi, qui semble donc être confirmé comme le numéro 1 de cette équipe du Ghana pour la Coupe du Monde. Certainement un très grand moment à venir pour Lawrence Atizigi. On découvre la formation de cette équipe de Suisse, donc dans ce 3-5-2 qu'on imagine, avec une défense à 3 chère à Kanji Tchomert, devant un sommaire qui semble rétabli. Le match, Thomas Partey, il évolue évidemment à Arsenal avec bien sûr Jerdan Shaqiri. Des 90 minutes de cette partie, mais on est donc... Démis au Ghana, donc une crise passée. Exactement. Très intéressante il y a quelques instants. Le centre d'Embolo, Ziggy qui a pu détourner, c'était le minimum qu'il fallait faire pour le gardien du FC Saint-Gall. Il y avait du danger devant les buts ghanais. Non, il faut jouer à 100% parce que sinon... Et c'est ce que fait ici Embolo. Vargas, oh quelle occasion. Quelle occasion pour Ruben Vargas, parfaitement servi par Embolo, qu'on voit beaucoup en ce début de match. Il pensait encore pouvoir récupérer quelques places de titulaire. Oh, attention. Et la première intervention pour Janssen. Avoir cette intensité pour aller gêner le Ghana et même aussi pour garder tout le monde concerné. Oh, attention. Là, c'était un petit peu bas, faire attention. Bolo. Qui a tenté de passer, qui a obtenu le corner. Il est passé. A éliminé son vis-à-vis, le bon centre. Ou axe gauche, on est plus exposé à aller au duel. Donc sortir. Déviation d'Iñaki Williams, c'est lui qui était recherché sur le centre de Xhaka. Ça passe. C'est pas fini. André Ayew qui a proposé une course. Et finalement, c'est Iñaki Williams. Oh. Attention. Ayew, pas mal ce qu'il a fait là. Zakaria qui, lui, par contre, ne joue pas. On s'en est sorti. Et bien tiré. Au milieu de terrain défensif, à vocation, on est toujours... C'est une bonne occasion. Oui, c'est fait un petit peu trop facilement de Manuel Akanji sur le coup. Tout comme le tir qui a suivi. Hein. Qui avait anticipé. Et péché mignon parfois. Oh là là, oh là là. L'arbitre n'a rien donné du tout. Il a fait un geste auquel on est peu habitué. Il a écarté les bras. Pour dire qu'est-ce qui se passe. L'air de dire c'est quoi le problème. Mais dans les rangs du Ghana, on demandait une... On va suivre cette action. Granit bon ballon. C'est bien pour Freuler, dommage. Un tout petit peu court, Remo Freuler. Un petit peu dans son intervention de tout à l'heure. Son temps. C'est le deuxième poteau. Et le duel avait été remporté par Iñaki Williams. C'est un bon c'est long. Vargas. Et c'est prolongé en corner. لكن في صور تانية أنا أول مرة أشوفها هي كانت بتصورني طول الوقت من غير ما أعرف حتى وأنا نايمة وفي اللحظة دي اكتشفت إن البنت اللي أنا عايشة معاها كانت بتراقبني طول الوقت وكمان لقيت لوحة كبيرة أنا اللي رسمها لينا وإحنا واقفين جنب بعض ومكتوب عليها بالدم أصدقاء للأبد وفهمت إن ده دم آن وفي اللحظة دي كمان فهمت إن ماكس كان معاه حق وإن آن مجنونة وإن هي اللي عملت كده في نفسها علشان أتعاطف معاها وما كنتش قادرة أصدق إن آن اللي أنا عايشة معاها طول الوقت ده طلعت مجنونة ومختلة وإنها عملت كل ده من غير ما أعرف إيه رأيك في رسمتي؟ وأنا لفيت بسرعة ولقيت آن واقفة وماسكة سكينة في إيديها أنت إزاي تصوريني كل الصور دي وأنا مش عارفة وكمان بتراقبيني وأنا نايمة؟ عندي صور أكتر من دي كمان أنا كنت بصورك طول الوقت وطبعا المغفل ماكس هو اللي قالك على كل حاجة وأنا قابلته دلوقتي وعاقبته بطريقتي قصدك إيه؟ أنت عملتي إيه فيه؟ عملت فيه اللي هعمله فيك دلوقتي وبعدها رفعت السكينة ناحيتي وقربت مني وفجأة هجمت عليا ووقعتني على الأرض وخنقتني من رقبتي بإيد والإيد التانية كانت بتحاول تموتني بيها بالسكينة
وأنا كنت بحاول أبعدها عني وما كنتش قادرة، فأخدت بالي إن في شباك وراها، وعلشان أنقذ حياتي زقتها عليه بأقصى قوة عندي، وكنت فاكراها تتخبط في الشباك وتقع على الأرض،